Bon, bonjour à tous.大家好，晚上好。Aujourd'hui, on va parler, comme il y a des Chinois, il y a des Français. Donc, on va parler on essaie de parler en deux langues, le chinois et le français. Et tout d'abord, merci à l'Union de la médecine traditionnelle chinoise de France. Ils ont organisé cette conférence. Voilà. Ça me donne l'occasion de étudier avec vous le thème de Tianren He Yi. Soo xian gan xie, Fago. 中医疗会给了这个机会，让我能够跟大家有机会一起学习天人合一这个课题。有快乐的人好。comme on est quand même un peu limité par le temps. On a 2 heures, on a déjà passé une demi-heure. Et donc, j'essaie de faire j'essaie de faire l'écran écrit plus de texte pour les Chinois. 就我就把这个 PPT 啊做的比较详细一点，就做的这个中文多一点，这样子呢，学中文的会中文的人就可以看得懂，就不用讲太多，要主要多讲点法文，因为法文做 PPT 做的太多不好做。然后如果有什么问题的话，大家可以随时可以跟我，你可以停下，可以打断我，可以的啊，可以打断我再跟我讲。Bon, si il y a des gens qui a des questions, vous pouvez aussi me couper la parole, vous pouvez me poser des questions. OK? Bon, déjà, 天人合一，天人合一。Qu'est-ce que ça veut dire, 天人合一? 天 c'est le ciel, 人 c'est l'homme. On dit 天人合一, c'est unification de l'homme avec le ciel. Mais ça, c'est un état merveille pour la pratique de Qigong et le Tai Chi. Également, c'est aussi un état des arts de santé de la médecine traditionnelle chinoise.La conception de l'unification de l'homme avec le ciel, ça vient de la philosophie, la pensée chinoise antique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est unifié avec le ciel.Le ciel ici, ça veut dire la nature. Ah, c'est pas seulement le ciel, y compris le ciel, la terre, l'univers. Ça vient de la pensée taoïsme et confucianisme. Donc, he, en chinois, ça veut dire ensemble, unifié, ça veut dire aussi harmonie, harmonisé avec le ciel. Dans la pensée taoïsme, on pense que l'être humain avec la nature,
Il y a une communication, il y a une connexion. Et l'être humain doit être recherché, harmonisé avec la nature. Donc, vivre avec, en harmonie avec avec la nature, ça nous permet de vivre plus longtemps. Okay. Il y a des enfants. Et confucianisme, c'est plutôt la relation de l'homme avec le Tao du ciel. C'est-à-dire, Tao Jia, Ru Jia, ce Tian Ren Hui de Li Nian, c'est de Tao Jia, Ru Jia, tous ont ce个思想. Pardon? 嗯。Et après, pour la médecine chinoise, c'est encore plus de demander, de rechercher l'harmonie avec l'univers. Parce que pour la médecine chinoise, on considère l'être humain à vivre dans cette nature. Mais on a une relation très étroite avec la nature. Et non seulement notre santé physique est en lien avec la nature, mais quand les changements de l'environnement qui peut influencer notre corps et notre il peut aussi quand il y a des anomalies de l'univers, de l'environnement, ça peut aussi manifester sur notre corps. C'est pour ça qu'il y a des symptômes, sur la langue, le pouls, etc. Donc, les Chinois, de la médecine chinoise, non seulement on doit soigner des symptômes, mais surtout, il faut soigner, essayer de rééquilibrer le corps avec l'univers. Par exemple, si le corps en quatre saisons, les quatre saisons, l'énergie change. Le printemps, il y a de plus en plus de l'énergie yang. Après, l'hiver, il y a de plus en plus de l'énergie yin, qui sont de plus en plus forts. Dans l'énergie yang, le printemps, maintenant, c'est le printemps. Donc, ça augmente jusqu'à l'été. L'été, ça descend jusqu'à l'hiver. Donc, ça, c'est les cinq pourquoi il y a ça qui sort. Donc, l'énergie change et notre corps change. Par exemple, en ce moment, si on prend le pouls, ça commence à être flottant. Mais en hiver, le pouls, c'est plus profond. Hein? Donc, quand on soigne les maladies,
on prend en compte les changements de l'environnement, de l'extérieur. Ça, c'est pourquoi il a cinq mouvements et six énergies, la théorie des cinq mouvements et six énergies, ou une l'outil. Ou une l'outil,就是根据这个四季的变化，根据外界的变化来调整我们人体的生理和病理的情况。Alors, donc, pour la médecine chinoise, il recherche l'équilibre de yin et yang. Parce qu'on pense, c'est parce qu'un déséquilibre de l'énergie yin et yang de notre corps, ça rend malade. Bon. Quand on parle d'énergie yin et yang, vous connaissez déjà le yin et yang. Yin et yang de sheng qi de yin yang, bao kuo le zhe ge sheng, zuo fang mian la, yin yang, zhe shi chong qi guan, sheng qi de jie gou, sheng qi de gong neng, dou fen yin yang. Alors, comment, pour la médecine chinoise, comment ils cherchent à rééquilibrer l'énergie du yin et yang? C'est passé par les nourritures, notre vie quotidienne, et aussi les sports, la façon de vivre, et aussi maîtriser l'esprit afin de retrouver l'équilibre de yin et yang. Il n'est pas rentré. Voilà, donc pour la médecine chinoise, ils cherchent à rééquilibrer, maîtriser les émotions. Maîtriser les émotions, c'est important, parce que maîtriser les émotions, pour la médecine chinoise, les causes de maladie, 80%, c'est notre, ça dure notre pensée. Ah. Les causes de maladie, il y a les causes externes, internes et aussi imprévues. Les internes, c'est les émotions. Externes, c'est les six, c'est les énergies pathogènes externes. Ah, ça, c'est. Et, par contre, pour la médecine chinoise, il considère les sept sentiments quand c'est en trop, trop fort, trop longtemps ou négatif, ça peut gêner notre, ça peut blesser notre organe. Et à travers la maîtriser nos émotions, ça permet de améliorer notre santé. Alors, comme on a déjà dit tout à l'heure, la médecine chinoise ne soigne pas que les symptômes, mais ils ont fait attention surtout de soigner tout le corps, hein, pour l'ensemble, mentalement, physiquement. Mais les méthodes de la médecine chinoise, il y a pharmacopée, il y a l'acupuncture, massage, le tai chi, qigong, et aussi les alimentations. Ah, donc il y a différentes méthodes. Donc le qigong, le tai chi, on peut dire c'est peut-être pas directement dans la médecine chinoise, mais
Comme les principes de Qigong et Tai Chi, la théorie sont les mêmes, même source. Donc, il y a une partie de Qigong pour la santé, le Tai Chi qu'on pratique pour la santé, ça peut trouver les mêmes principes de la médecine chinoise. À ça, on va parler tout à l'heure. Parce que la théorie de la médecine chinoise et aussi la théorie de Qigong, de Tai Chi, il y a même source. La culture chinoise, c'est de... La culture, en fait, c'est... S'il n'y a pas la culture chinoise, il n'y a pas la médecine chinoise. Il n'y a pas Tai Chi ni le Qigong. Mais les trois sources de culture anciennes, il y a bouddhisme, taoïsme, confucianisme. On va dire que c'est le taoïsme qui a plus d'influence sur le Qigong. Et sur tout ça, sur la médecine chinoise, Qigong et Tai Chi. Le Qigong, on parle d'abord, les trois sources sont les mêmes sources, si vous voulez, le Qigong, Tai Chi, la médecine chinoise, il y a la même théorie de base, même source. Et par contre, la façon de faire, il est un peu différent. Le Qigong, c'est à travers la pratique de respiration, les mouvements avec la concentration, afin de renforcer l'énergie, faire circuler notre énergie, et afin d'utiliser notre énergie, finalement, ça permet de rééquilibrer l'énergie de notre corps, le yin et yang, et pour améliorer la santé et renforcer les fonctions du cerveau pour rendre plus intelligent. Voilà. Et dans le Qigong, on sait que le Qigong est le Qigong dynamique, Qigong statique, Qigong spirituel, Qigong de la vie pour la santé, Qigong médical, Qigong martial. Mais toutes les sortes de Qigong, de toute façon, le but c'est pour travailler le Qing, le Qi, le Shen. Alors le Qing, l'essence. Ça, quand, si on veut dire la différence, le Qigong, en général, on commence par pratiquer pour renforcer le Qing. Après, renforcer l'énergie, puis le Shen. Dans les techniques spirituelles, tout ça, c'est normalement, c'est plus tard. Hein, c'est plus tard, c'est pas pour le débutant. Pour les débutants, c'est mieux des techniques pour la santé. C'est même quoi ça. Voilà. Par exemple, les techniques dynamiques. Bon, les dynamiques sont pas les mêmes quoi. Désolé, il y a trop de téléphones qui sonnent. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas pu entrer. Bon, les techniques dynamiques, comme UTS Bogar, Yi Jing Jing, Cinq Animaux, Six Sons Thérapeutiques. Les techniques dynamiques, les techniques statiques, il y a comme méditation, écouter l'inspiration. Souvent,
et aussi technique pour renforcer les dents internes, les dingons. Et pour les gens qui parlent chinois, est-ce que c'est... 那讲中文的这样行吗？ 我都没讲太多中文了。可以，杨老师。可以啊。你们主要看字幕了哈。好，没问题，没问题。杨老师，没问题，非常好。我觉得中文我尽量做的细一点了，让你们看。气功的修炼方法主要就是调心三条。 Donc, pour la pratique de Qigong, il y a régulariser le cœur, la respiration et le corps. Ça, c'est les éléments de base. Mais le Tai Chi, quelle est la différence de Tai Chi? Tai Chi, c'est basé sur la culture chinoise, un art martial basé sur la culture chinoise, mais en même temps, c'est une technique très bien pour préserver la santé. Déjà, son nom, ça vient de Tai Chi, la théorie de Tai Chi. Donc, on sait bien, c'est lié étroitement avec la philosophie chinoise. Mais quand on pratique le Tai Chi, on essaie de faire attention au changement du yin et yang, le changement de calme et le mouvement, la souplesse énergétique, souplesse change. Par exemple, quand on fait le Tai Chi, dans le mouvement, on cherche le calme à l'intérieur. Et quand on fait de statique, on fait attention de faire circuler l'énergie à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a le calme et le souplesse énergique. Le calme et le mouvement ensemble. Comme le Qigong, le Tai Chi permet aussi de améliorer la santé à travers la faire circuler l'énergie, renforcer l'énergie et aussi améliorer la souplesse de notre corps et aussi rend plus intelligent dans notre compréhension de la loi de Tao et ça nous permet de comprendre les choses plus meilleure façon. Donc le Tai Chi est utilisé pour la santé pour préserver la santé, soigner les maladies, maîtriser les émotions et en même temps pour aussi se défendre. Ah, donc, par contre, le Qigong aussi, c'est le Qigong martial, ça permet aussi de se défendre. Donc, Tai Chi Quan, là, qui est pas uniquement un art martial, ça y est, c'est un art martial, c'est un art martial, c'est un art martial, 一门功法，它如果说跟中医，跟气功来比，可能它更加武术化一些。但实际上，应该没有太多区别，都可以用，因为一武是同源的嘛。那 source de médecine et les arts martiaux c'est le même source. Alors, le Tai Chi, le plus important de la pratique Tai Chi, c'est pas seulement pour
fait bouger le corps, renforce l'énergie. Surtout, c'est pour ça nous permet de comprendre le Tao. Ça nous permet de comprendre le Tao. Parce que le Tao, Tai Chi, pour comprendre le Tao, à travers la pratique Tai Chi, c'est la meilleure façon. Parce que comment on bouge? Donc le Tai Chi Chuan, c'est un art qu'on demande de se conformer d'abord au Tao. C'est de qu'on pratique notre façon de penser, notre façon de faire, notre façon de penser, et les mouvements, les trajets, et comment le corps bouge, il faut qu'il se conforme au Tao. Et donc, pour comprendre le Tao, après qu'on fait le mouvement, s'exprime le Tao avec notre corps, avec notre geste. Tai Chi Chuan, c'est un zhe quan mà, on me dit que c'est un zhe quan. 其实练太极是一个很好的这个明白事理的方法，因为它通过练习太极拳，能够让我们对太极这一门哲学有一个触可摸的这种一种方法。就你光讲道，你光讲道的时候，你好像 觉得玄之又玄，不太好理解。但你通过练习太极拳，你就知道这个身体应该怎么动。但因为它必须按照道的轨迹来动，按照道的方法来动，所以练太极其实是以身合道，以身适道，合适适合的适，把我们所做的这个动作啊，这个都跟那个。 让它符合道的原理。然后在我们演练的时候，就是在用我们的身体，用我们的动作、肢体来展示道这一门哲学。那你要展示你现在必须的理解吧，你要是不理解的话，你就没法练啊。所以太极拳高就高在这里。Voilà, en général, le Tai Chi, on pratique lentement et en même temps travaille interne et externe en même temps afin de maîtriser les émotions. Mais le plus important qu'on a parlé tout à l'heure, c'est se conformer au Tao d'abord. Pour se conformer au Tao, il faut comprendre le Tao. Mais peut-être tout à l'heure, on va expliquer un peu plus. Alors donc, il y a un point commun avec le Qigong. Le Tai Chi travaille aussi le cœur, le souffle et le corps. Dans celui-là, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, on travaille le cœur, le corps, peut-être la façon un peu différente, mais le corps, c'est toujours le même corps. Toujours la même respiration, toujours la même concentration, visualisation, c'est toujours par notre cœur. Voilà, donc, en fin de compte, la médecine chinoise, le Qigong et le Tai Chi, ils ont des points communs. On travaille toujours avec le cœur, avec notre corps, avec le souffle. Et en général, c'est toujours essayer de maîtriser les émotions, parce que la concentration, visualisation, tout ça, c'est pour maîtriser nos émotions, pour rendre notre esprit plus calme, plus sain. Hein. Donc, la respiration, c'est toujours demander une respiration pour plus profonde, plus lent, plus longue, plus profonde, et donc, afin de renforcer l'énergie. En général, les techniques d'un mouvement lent, calme permet de renforcer l'énergie. Par contre, vous voyez les sports
comme si vous faites du football, jogging, tout ça, c'est plutôt, ça consomme plus d'énergie que tonifier. Hein, donc, on a besoin toujours des techniques plus calmes, plus longues. Hein, si vous faites des sports tout le temps, vous aimez des sports rapides, hein, il ne faut pas oublier de faire de temps en temps les techniques plus longues, plus, qui permettent de renforcer l'énergie. Alors donc, tous les qigong, le tai chi, la médecine chinoise, on cherche toujours de renforcer l'énergie interne. Et tous essayent de respecter la nature. Il ne faut pas faire des choses contre la nature. Le qigong, c'est ça. Le tai chi, c'est ça. La médecine chinoise, pareil. Hein? Donc ça, c'est des points communs pour tout. Donc le but... Au niveau de préserver la santé, pour soigner les maladies, la prévention des maladies, la médecine chinoise, le qigong, tai chi, c'est le même but. Alors, si on parle de qigong, le tai chi, il comprend par exemple dans le tai chi chuan, et il n'y a pas que les enchaînements, il n'y a pas que l'enchaînement, il y a aussi le tan zhuang, il y a aussi les netan. C'est méditation, taoïste. Ah non, le but c'est le même. Ah, la façon de faire, on a déjà parlé, il est un peu différent. Mais si on regarde dans la médecine chinoise cherche, depuis l'Antiquité, on cherche toujours à vivre plus longtemps. N'est-ce pas? Ah, on essaie de vivre longtemps. Mais comment? Et dans le Huangdi Neijing, le livre de l'Empereur Jaune, le canon de la médecine chinoise de l'Empereur Jaune, il a raconté déjà comment vivre longtemps. Mais d'ici, je mets beaucoup en chinois parce que c'est long. Alors, expliquer, mais vous pouvez noter pour les Chinois. Ce que vous pouvez voir, c'est le Zhong Yi de Yang Sheng, le Huangdi Neijing de Zhu Hui. De toute façon, pour la médecine chinoise, c'est rechercher comment vivre à travers, on a déjà parlé tout à l'heure, l'alimentation, calmer le cœur, maîtriser les émotions, et comment vivre correctement, par exemple, le matin, il ne faut pas tout le temps faire des nuits blanches, hein, et faire un peu de sport, pas trop, mais pas assez, et faire attention de s'adapter à la nature, quand on fait froid, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il fait de chaud, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il faut faire attention. Hein. Donc, et parce que dans la médecine chinoise, en fait, le canon de la médecine chinoise de l'empereur jaune, ça signifie, ça c'est vraiment un mac pour, symbolique que la médecine chinoise est bien devenir un système complet. Et à travers le Huangdi Neijing, ici il y a déjà toutes les notions comme la notion de l'unité, cinq mouvements et six énergies, la théorie de yin et yang, la théorie des organes, de méridiens, étiologie, pathologie, et les symptômes, les façons de diagnostic, traitement, préserver la santé, la prévention des maladies, tout ça dans le livre de l'Empereur Jaune, déjà tout raconté. Hein. Et jusqu'à présent, on l'utilise encore, et je crois encore, longtemps encore. Mais dans ce livre, dans le Huangdi Neijing, le Neijing de l'Empereur Jaune, ils ont raconté, il y a quatre sortes de personnes qui ont vécu longtemps.
Premièrement, c'est quatre sortes de personnes, c'est 真人, 智人, 圣人, 贤人. Voilà, ça veut dire les niveaux différents. Ah, il y a des gens, le meilleur, c'est 真人. 真, on a traduit 真人 comme une personne de réel, traduit mot à mot. 智人, personne parfaite. 圣人, c'est le, on dit c'est les choses, non? Choses. Et de 贤人, une personne bien, 贤, très bien. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? 真人, 真人 c'est une personne qui le top niveau, le top niveau. Ce genre de gens, il est capable de maîtriser les merveilles du ciel, de la terre. Il connaît le code de la vie, du ciel, de la terre. Il comprend la théorie de yin et yang, et cinq éléments, cinq mouvements, et aussi ses énergies. Donc, il dépasse la limite de mort. À ce genre-là, ça c'est vraiment le représentant de top niveau. Ça c'est 真人. Après le 智人, 智人 c'est pas mal non plus, mais il est moins bien. Il est un peu moins bien que 真人. Mais ils ont aussi très fort, très bien au niveau de Tao. C'est-à-dire le moral, les caractères, la vertu, sont très, très, très bien. Et en même temps, il peut aussi être le modèle de peuple. Ce genre-là, il connaît aussi très bien comment maîtriser la santé. Après, c'est 圣人. 圣人, on traduit comme les sages. C'est aussi des gens qui vivent longtemps. Ils traduisent aussi très, très bien. Bien sûr, un peu moins bien que 真人. 真人, c'est le top niveau. Après, c'est 贤人. 贤人, c'est aussi des gens très bien. Le niveau, on peut dire, c'est un peu moins bien qu'avant. De toute façon, ces quatre sortes de personnes, c'est notre modèle. Nous, quand on pratique le Qigong, le Tai Chi, ou suivre les principes de la médecine chinoise, tout ça, le but, c'est toujours essayer de pouvoir atteindre un niveau de ces quatre sortes de personnes. Donc, d'ici, on va regarder une texte, parce que dans ce texte-là, il dit, dans l'époque antique, il y a le 真人. On va parler de 真人, comme ça, parce que le 真人, dans le texte qui parle de 真人, ça nous permet de comprendre comment, à l'époque de Huang Di Neijing, comment en vivre longtemps, comment on pourrait vivre longtemps. Dans le premier chapitre, à Sanguo Tianzhen Lun, il a parlé à l'époque, les personnes antiques vivent plus de 100 ans, mais les gens actuels vivent que 50 ans, même pas 50 ans. Et bon, ça c'est il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, largement, c'est très peu. Par contre, même actuel, dans notre époque, la plupart du monde, l'âge moyen en France, c'est 60-80 ans environ, en moyenne. C'est-à-dire 67 pour les hommes, les femmes, c'est facilement 90, 80, même 100 ans. Par contre, il y a quand même des gens qui vivent pas plus que 50 ans, n'est-ce pas? Et donc, il a dit que le 真人, qu'est-ce qu'il peut faire?
Là, ça, il y a un peu de tradition, je crois. Ça peut être bien. Il y avait une personne réelle qui tenait le ciel et la terre. C'est-à-dire, tenait ici, ça veut dire, il comprend. C'est comme il veut saisir. Il veut toucher le ciel, la terre. Il comprend très bien. Il veut toucher le ciel, la terre. Il peut maîtriser. Il peut maîtriser aussi le yin et le yang. Et donc, il respire l'énergie des quintessences. Ici, c'est l'essence, quintessence, c'est les quintessences de l'univers. Et après, il a tout lié son chen, est resté tout seul, maîtrise ses chen, l'esprit. Et tous les muscles deviennent un. Voilà, ça c'est très intéressant. 上古有真人者，提携天地，把握阴阳呼吸，精气独立，守身，肌肉如一。 Moi, je pense que celui-là, ces quelques phases hein, nous permettent de comprendre quel est l'état de merveille qu'on pratique, notamment dans l'âme. Donc, dans le livre de l'Empereur Jaune, ils ont déjà raconté les techniques de l'arbre. Ça c'est quand on pratique l'arbre, on est comme ça. Voilà, donc quand vous êtes un, vous connectez comme connecté avec le ciel et la terre, vous respirez profondément. Donc ça vous permet de capter l'énergie de l'univers et en même temps éliminer toutes les idées diffuses, confuses. Et tous les muscles deviennent en un tijou yoyi. Pour l'explication de tijou yoyi, il y a différentes explications. Moi, je pense le un ici, ça veut dire un état. Mais si on parle de physique quantique, on dit que tous les atomes, c'est des vibrations, n'est-ce pas? Il y a des vibrations. Dans les différentes vibrations, les vibrations rapides, légères, ça monte. Ce qui est lent, lourd, ça descend. Ce qui est léger devient ciel, ce qui est lourd devient la terre. Et nous, on est l'être humain. Voilà. Quand on pratique, on sent aussi, parfois on sent notre corps est très léger. Parfois on sent notre corps est très lourd. Ah. Et donc, qi you yi, 这几句话可能要解释一下, 从中文来讲, 啊, 就是他讲提携天地, 把握阴阳, 呼吸精气, 独立守神, 肌肉若一, 我觉得这个就是一个, 很完美的一个站桩的状态, 你这个站桩嘛, 站的, 你就肯定是自己站的, 守神, 这个, 排除一, 这个杂念, 思想非常安静, 然后你跟天地接通, 提携天地, 跟天地接通, 那你又, 在这里面你就很好地把握了阴阳, 同时你能呼吸宇宙的精气, 要所有的肌肉, 肌肉若一, 这肌肉若一这几句话呢, 就很多解释, 你要上网上去查的话, 很多人那个不同的说法, 我觉得这个肌肉若一就是一种状态, 其实这个一, 也相当于, 我们道家讲的, 道生一, 一生二, 二生三, 那个一, 你快点地上放置就可以了。好了，le 1，je crois c'est le 1，c'est l'état, c'est les vibrations. Sinon, comment vous pouvez expliquer le muscle devient un muscle? C'est pas possible. Et en plus, ici, c'est pas seulement le muscle.
c'est les os, les tissus, les organes, ils ont tous devient un état de 1. Voilà. C'est ça que je veux expliquer. C'est pas seulement les muscles comme un seul. Non, ce un-là, je crois, c'est aussi le un de, comme dans le Tao Te Ching, là, je l'ai dit, le Tao crée le un crée le deux, le deux, le un crée le deux crée le trois crée 10 000. Le un. Voilà, dans le chapitre 25 de Tao Te Ching, il a parlé c'est un. Il a dit, il y a quelque chose, il existe une sorte de mélange, quelque chose qui sont mélangés avant le ciel et la terre. Ah, il est calme et immense, il est indépendant et sans changer, et circule longtemps sans arrêter. Mais je l'appelle ça le Tao. Ah, ça c'est le chapitre 25. C'est le Tao. Avant l'univers, il y a quelque chose. Ça c'est le Tao. Voilà, après il a dit, dans le chapitre 40, il dit Tao. Le Tao crée le 1. 1 crée le 2, 2 crée le 3, 3 crée des 1000, 10 000. C'est Tao Shen Yi. Mais qu'est-ce que c'est le 1? Qu'est-ce que c'est le 2? C'est ça qu'on va comprendre. Et dans les Yi Jing, il a dit aussi, Wu Ji engendre le Tai Ji, Wu Ji sans Tai Ji, Wu Ji, Tai Ji sans Liang Yi, Liang Yi sans Shi Xiang, Shi Xiang sans Ba Kua. Le Wu Ji crée le Tai Ji, le Tai Ji provoque, engendre le Yin et Yang. Et après, il y a 4 phénomènes. Il y a le 8 trigrammes, et après il y a tout le reste. Voilà, donc maintenant on va apprendre ça. Pourquoi le Tai Chi 1? Pourquoi 1 c'est important? Alors, dans la pratique de Tai Chi, Tai Chi, on a déjà dit qu'ici, il fait attention, c'est le changement de yin et yang dans notre corps. Et après, il y a aussi les relations entre notre corps avec l'univers. Le Tai Chi, c'est le yin et yang的转换.这个阴阳不单单是身体里面的阴阳，还有身体跟外界的。 这个天地之间的这个阴阳也是要有交流的。 那在练太极的时候， 就是一是什么？ 啊， 就是身是我们的一， 啊， 就是身体是道体， 心为道根， 动为道用。 Dans le Tai Chi， le corps c'est le corps de Tao。 Le cœur, c'est la racine de Tao. Et le mouvement, c'est l'application, utilisation de Tao. Ça, c'est très important. Hein. Peut-être il faut qu'on comprenne ça. C'est-à-dire, tant qu'on fait le Tai Chi, en fait, ce n'est pas seulement le Tai Chi. Le Qigong, c'est la même chose. Parce que pour moi, le Qigong Tai Chi, c'est la même source. On va parler peut-être après. Hein. Le cœur, c'est la racine de Tao. Notre corps, c'est le corps du Tao. Et le mouvement, c'est l'utilisation de Tao. Donc ça, c'est 1 créé 2, 2 créé 3, 3 créé 10 000.
好了，那先和这样的，我们来看这个图，这就比较好理解了。那先和这样是第三呢？Le temps crée le 1, 1 c'est quoi? 1 c'est 无极， 1 c'est 无极c'est un cycle， 它是1。Donc 1, 无极， 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 qu'est-ce qu'il y a dedans? 无极， il n'y a rien， mais il y a tout, il n'y a rien. Il y a 无， dans le premier chapitre de The King, il a dit道可道，非常道；名可名，非常名。无明天地之明天地之始，有名万物之母。等我到了 premier chapitre 一半了，无也有，有些也有，无些弄的有，也有弄的有。那弄的有是 il n'y a pas， 是无，无是 qu'est-ce que c'est？ 也是无，无是无形无相无色无触，哎。抓不着，抓不住，摸不着，看不见，但是有存在的东西，这就是无，这就是无。那无是 on peut pas, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de l'odeur, on voit pas, on ne peut pas toucher, ça c'est où, ça c'est où dit, ça c'est un, mais en fait il existe, et comme le chapitre 25 il a dit avant, avant,l'univers, il y a déjà quelque chose qui existe. Ah, ça, c'est 1. 1 crée le 2. 2, c'est le yin et yang séparé. Il y a deux pôles. Ah, 一以后呢, 一, 一是无极, 这个, 这个观念很重要啊。这一生二, 二是阴阳, 阴阳就 分开了, 分阴阳了。然后二就发展到三，二生三，三就是阴中有阳，阳中有阴，就成了四象。对，对，一生二，二生三。那在我们练太极怎么讲呢？比如说我们练，首先要找到这个无极的状态，然后你在无极的状态里面，你去做，你一上一下，一前一后，一左右，一左一右。这个动作一出来，不就有阴阳了吗？本来你站桩呢不动，所有的功法都应该从静到动，都应该从静到动。那小孩出生的时候，小孩出生的时候他不会动，对吧？以后慢慢的就学着怎么站、怎么坐、怎么站，然后去慢慢学走路，最后才会跑，才能跑。所以小孩。学东西是这样的，很自然的。其实我们练功的时候也应该是这种方法，就是由静到动。啊，那么安，安是无极，那么都是阴阳。Une fois qu'on bouge, monter, descendre, à gauche, à droite, avancer, reculer, ça fait yin et yang. Avancer, c'est bien. Si on dit avancer, c'est yang. Non, reculer, c'est yin. Monter, c'est yang.Vers gauche c'est yang, vers droite c'est yin, descendre c'est yin, ouvrir c'est yang, fermer c'est yin, etc. Et donc il y a le yin yang séparé. Après, plus tard, dans le yin dans le yang dans le yin, ça fait le 4 phénomènes. Ça fait le 3. Donc 1 crée le 2, 2 crée le 3. Il y a une main montée, l'autre descend, par exemple. Et les mains avancées, le corps reculé. Le corps reculé, les mains avancées. Une partie vers gauche, une partie vers droite. Avant de commencer, avant de vers droite, commencer par droite, à gauche, et vice versa, etc. Voilà. Donc, comme un enfant, un bébé, un nouveau-né, quand il est né, il peut pas, il sait pas marcher.Mais il commence à apprendre comment s'asseoir, et après comment être debout, comment tient debout, comment marcher, après courir, après plus tard, champion de les Jeux Olympiques. Hein? Mais par contre, pas tout de suite. Donc le Qigong, le Tai Chi, tous les arts, on peut dire tous les arts,
ils ont tous respecté ce principe. Parce que il est en conscient, non? Il est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est le Tao. C'est le Tao, c'est la loi. C'est所有的运动,其实所有的运动, 都是遵循这个原则。就是一二三的原则。你不管你是你觉得好，你认识到还是没认识到，你觉得是这样还不觉得是这样，它都是这样，因为这是道，你道是这样的，没办法改啊，是吧？就是由一生二，二生三，三生万物。那讲到这里呢，就有很多东西可以讲了。那个，比如说气功，有不同的气功，有不同的太极，有不同的太极，有陈氏、杨氏、吴氏啊、武氏、孙氏，还有各种各样的，气功也有很多种，刚才我们也都说了。每个气功的地方师傅提供地方的 technique， 而且太极医疗是地方的technique。Par contre, ils ont conscience ou non, mais personne ne peut échapper des principes de Tao. Le Tao, c'est 1 crée le 2, 2 crée le 3, 3 crée 10 000. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y a pas un, il n'y a pas deux. Alors, si vous faites deux, il n'y a pas le un comme base, c'est un 1 mal fait. C'est deux mal fait. Alors, si vous faites un 3 qui n'est pas le 1, c'est encore pire. 就是如果你做的这个三，比如说像我们做动作，刚才讲的一定是一二三。而不是三二一，怎么说呢？就是说，如果是说，你首先要找到无极的状态，比如说我们在练功的话，还有那种西洋的哦，飞的木梦，来看西洋飞的木梦啊，西洋的半了安，我来半了安，我来半立的安，我飞木梦梦的地上，它先得慢飞。Après, si vous faites une main montée, l'autre descend, vous faites comme ça, c'est aussi un mouvement mal fait. Parce qu'il n'y a pas le 1. 1, c'est un état ouji. Si on est dans un ouji, après qu'on fait le mouvement, descend, hein, c'est encore le ballon qui tourne. Mais ce n'est pas les mains qui montent, descend. Et donc, ce n'est pas les mêmes mondes des sangs, c'est le corps. Monde des sangs. C'est-à-dire, notre corps devient comme un ballon de tai chi. Notre corps devrait être comme un tai chi. Il devrait être comme un tai chi. C'est que ce qui tourne et tourne, c'est un tai chi qui tourne. Notre corps, c'est le ballon de tai chi qui est en train de tourner. Voilà, donc ce n'est pas des mouvements partiels. Ah, non, si on fait, après si on fait un mouvement, c'est toujours le basé sur le 1, une partie vers le haut, une partie vers le bas, mais c'est toujours le ballon. Ah, c'est un 3 correct. Si on fait comme ça, une main vers le haut, une main vers le bas, ça c'est un 3 aussi mauvais. Donc, ce principe est valable pour toutes les techniques, Qigong, Tai Chi, les arts martiaux, tous les arts martiaux. Donc, si on dit, le 1, c'est comme la farine. Moi, je dis, le 1, c'est comme la farine. Le 2, c'est comme les pâtes.
Et le 3, c'est comme le comme les baguettes, les pains. Après, avec les pains, vous pouvez faire tous les sandwichs, différentes sortes de sandwichs. Vous mettez les jambons, vous mettez les saumons, vous mettez les légumes. Alors, ça devient différent de fromage. Ça devient différentes sortes de sandwichs. 所以我把这个一比一比喻成这个面粉，然后二就是面团，三就是烧成了面包。面包以后呢，你就可以做成不同的那个三明治了。三明治你加什么都可以，加青菜、加肉、加那个蛋、加那个奶酪什么都可以啊，是吧？那你加了不同的东西，就变成了不同的。 看起来好像不一样，其实面包是最重要的，面包是基础。那你加了，比如说你加了青菜，就变成气功了；你加了三文鱼，就变成了那个太极了；你加了那火腿，就变成了功夫了，武术了；你加了其他东西，就变成了什么形意拳、八卦掌，什么甚至空手道，你都可以含在里边。那话就说回来，就是说。 不管你的所做的动作，所学的那个功法是哪一种，你其实都应该找到你的一六一，你后面都是白做的。Alors que si, en addition, on a des baguettes, en ce moment, on peut faire différents des sandwichs. On met des légumes, ça devient chico, on met des jambons, ça devient tai chi, etc. Donc, tout, xing yi, ba gua, ta shong chuan, même kung fu, même karaté, ça peut rentrer dedans. Donc en fait, si vous pratiquez le tai chi, c'est pas on pratique tai chi, on pratique, on cherche l'état de wudi. C'est ça qui est important. Alors maintenant, on connaît le unifier avec le ciel, la terre, très important. Donc pour la pratique, quelles que soient les techniques, ou qigong, ou tai chi, ou autre chose. Par exemple, dans le qigong, il y a des larmes, il y a des enchaînements. Après, pour les qigong, il y a des différentes techniques, s'ils sont thérapeutiques, utiles pour etc. Et il y a aussi le méthode du corps, le méthode du cœur. Après, les techniques de les dames, tout ça, les différentes techniques. Ici, il y a, comme on a dit, il y a tellement de techniques. Si vous passez toute la vie de notre temps, vous avez du mal à apprendre tout ça. Mais si vous maîtrisez 1, 2, 3, on a le don. Ça, c'est comme si, si vous avez 1, 2, 3, 就等于你抓了钢。 如果你去今天学一个太极禅师，明天学一个杨氏，后天再学一个这个形意拳八卦掌，就等于你在抓那个网眼，你抓不到最后东西。但你要抓到这个纲一二三，你练什么就像什么。你把一二三做好了，你从一，然后做到二，二做到三，然后你做啥像啥，所以你就会。 自检预防。那si vous connaissez, si vous maîtrisez un, deux, trois, donc vous faites tai chi, c'est comme tai chi. Avec un, deux, trois, vous faites tai chi. Avec un, deux, trois, vous faites le xing yi, bao gua, vous faites le kung fu, vous pouvez tout faire. Mais donc, comment maîtriser un, deux, trois? Et Maître Zhang Shaotang, il a donné le secret, hein, c'est les 8 principes pour la pratique. Ah, ça, c'est Maître Zhang. Ça, c'est Maître Zhang qu'on a fait le stage en Chine avec lui. Mais il est venu aussi à Paris. Mais dans les 8 principes qu'il a donné, on n'a pas le temps de parler de tous les 8. Par contre, c'est-à-dire, c'est
arrondi, j'ai perdu, c'est-à-dire arrondi, unifié, centré, plein, relâché, vivant, lié, et ligne. Ligne, c'est impossible de traduire, c'est efficace, magique, hein, etc. Parce que pour apprendre différentes techniques, et si on utilise les techniques, c'est limité. Mais si on connaît les méthodes, on connaît les principes, vous pouvez tout faire. Et plus que vous utilisez, plus que vous le faites, plus que vous comprenez mieux et vous savez comment utiliser. Hein? C'est yo. 学理法不能学技术。 一技一术, 术有进嘛,法无穷, 对吧? 你明白的方法你就会用, 你要是光是学一技, 人家来一圈, 你这么挡, 第二圈, 你这么挡, 第三圈, 我忘了, 该怎么做, 对吧? 那反应不过来了, 那你就 应付不了。 Voilà. Donc, on a dit notre vie est limitée. Hein? Donc, si on apprend toutes les techniques, c'est comme si vous allez chercher les filets, hein, au lieu de tirer les cordes, les principales. Hein, c'est fatigant. Et donc, la grande voie, la grand chemin est simple. Ouais, d'où les autoroutes, c'est très simple. Mais les routes zigzag, c'est difficile à rouler. Le problème, parfois trop simple et on ne croit pas. Et dans le Tao Te Ching, chapitre 70, Lao Tzu, il a dit, tout ce que j'ai dit, c'est facile à comprendre. C'est facile à le faire, à la pratiquer. Mais personne au monde est capable de le comprendre et est capable de le faire, de pratiquer. Alors, 无言胜易知, 胜易行, 天下莫能知莫能行. Voilà, ça c'est la tradition de arrondi, unifié. Les huit principes, on n'a pas le temps de tout parler aujourd'hui, mais on parle d'abord un rond. Arrondi, on sait bien que vous voyez, tous les planètes sont ronds. Ils ont tourné rond. Alors, vous ne voyez pas une planète qui tourne, il a tout droit. Elle tout droit, il tombe. Hein? S'il reste dans la planète, il tourne. Dans le ciel, l'espace, il tourne en cercle. Et les atomes, c'est aussi en rond. À deux ans, on a parlé de physique quantique. Ils ont rond, en cercle. Et des vibrations, c'est aussi des ondes. Les ondes, c'est aussi comme des courbes. C'est pas tout droit. C'est pas des lignes tout droit. Hein? Vous voyez, ça, c'est des ondes. Voilà, donc, dans le dessin de Tai Chi, on voit bien, il y a un poisson noir, un poisson blanc. Dans le noir, il y a blanc, dans le blanc, il y a noir. Donc, ça veut dire, quand on fait le Tai Chi, en fait, je parle Tai Chi, c'est valable pour Qigong, pour toutes ces techniques. La partie blanche, c'est Yang, la partie Yin, c'est noir. Et on voit bien dans ce dessin-là, on voit le dessin, il est rond. Donc, ça veut dire le corps du Tao, c'est rond. Ah, c'est un cercle, un grand cercle, moyen cercle, petit cercle. Il n'y a que des cercles.
Donc, ça veut dire, quand on pratique, quelle que soit la technique, si comme tu as dit, on doit être rond. Il faut qu'il soit rond. Le corps est rond. Les trajets sont ronds. Les trajets de mouvement sont ronds. Donc, notre pensée, il faut qu'il soit aussi rond. Si donc votre tête n'est pas sacre, vous ne pouvez pas faire des sacres. N'est-ce pas? Non, dans notre tête, il faut avoir des sacres. Voilà. Après ici, le yin, dans le blanc, il y a le noir. Dans le noir, il y a le blanc. Ça veut dire, quand on fait le mouvement, il y a une partie du corps descend, il y a d'autres parties qui montent. Forcément. Parce que le yin et le yang, c'est une croissance, des croissances mutuelles. Alors, si le yang croît, le yin décroît. Si le yin croît, le yang décroît. Voilà. Et après, le yin aide le yang aide le yin. Donc, c'est pour ça, si vous voulez avancer, vous descendez d'abord et reculez d'abord pour avancer. Avancez d'abord pour reculer. C'est que ça, c'est comme vous faites le créneau de voiture. Il faut reculer pour avancer. N'est-ce pas? Alors, si vous allez directement, peut-être vous ne pouvez pas sortir de votre créneau. Voilà donc, dans le Tao Te Ching, chapitre 40, il est dit « Fan zhe tao zhi dong, ruo zhe tao zhi dong, tian xia wan wu sheng yu you, you sheng yu wu. » Il est le mouvement de Tao, le retour, c'est le mouvement de Tao. Le mouvement de Tao, il est retour, retour c'est l'ancêtre. Hein? Et donc, il est souple. Faiblesse, ça veut dire, il n'est pas faible, hein? Il est souple. Souple, c'est l'utilisation, l'usage de Tao. Vous voyez les herbes sont souples. Mais quand il est tempête, il ne tombe pas. Les arbres très costauds, très, très hauts, donc quand il n'y a pas de tempête, ils ont profité de toutes les énergies de l'univers, et les arbres, ils ont en bas, il n'y a pas beaucoup d'occasion pour avoir du soleil. Et, par contre, quand il y a tempête, les arbres tombent, les herbes restent. Donc, parce qu'il est souple. Un deuxième point clé, c'est unifier. Unifier, c'est important. Parce que notre corps, il faut qu'il soit unifié. Si vous faites le mouvement partiel, vous cassez le 1. Il faut être unifié. Donc, il y a des méthodes du corps fondamentales ici. On n'a pas le temps de pratiquer une technique aujourd'hui, mais on explique un peu les principes. Shu Ling Ding Ding, la tête légèrement étirée vers le ciel, la nuque arrondie, les épaules relâchées. Il faut descendre, le coude suspendu. Le dos de tigre, l'envers de l'ours, relâcher la poitrine, les jambes relâchent la poitrine. Et relâcher les hanches, les genoux déverrouillés.这几个要点，身法要点，非常重要。就虚灵顶劲啊，我们站的时候要有一种虚虚的虚灵顶劲。虚灵顶劲以后，这个颈部是弧形的圆弧，一个大的弧圆形的弧形。 不能够仰，向前仰，也不能够太低头，也不行，就是微微的虚灵顶劲。但是这个虚灵顶劲不能用力顶。啊，légèrement étiré vers le ciel, ça veut dire il ne faut pas
faut pas pousser avec la force. La tête, il faut pas être comme ça ni comme ça. Hein? Dans la nuque, c'est arrondi. Les épaules relâchées. 曾经如果曾经撑得好的时候，我们这摸起来它是平的。 如果这个肩是凸起来的，那就不是没松。但如果太溜下来也不好，太溜下来的话就是太溜肩也不好啊。你沉肩让它往下沉，沉就是有往下沉的意思，就是肩是往下沉，不是光是松肩，它是有下往下沉，但是不能用力，这些都不能用力。Après坠肘，le coude suspendu。 坠肘通常很多人会理解成坠肘，就是把这个肘放下来。这个就不是坠肘，这是已经是掉下来了，不是坠。如果坠应该是有一个坠掉的才能有坠嘛，要不就是已经掉在地上，那不叫坠了。坠的一定是像个有一个东西坠在下面，但必须先有一个顶住吧。 先吊着你才能有罪吧，对吧？那沉肩坠肘，le coup suspendu c'est il faut que ça monte d'abord, puis descend. Si vous descendez tout de suite, vous allez tomber. Ça, vous pouvez tester, hein, vous pouvez tester si vous pouvez essayer, si vous faites comme ça ou comme ça, lequel est mieux, il faut voir. Hein. Donc, vous pouvez demander à quelqu'un de soulever votre coude. Si ça tient, c'est bon. Si ça ne tient pas, ce n'est pas bon. Après, il y a d'autres. Les chevilles relâchées. Ah, lombaire, surtout lombaire. Ça, si on a dit lombaire, c'est lombaire de l'ours. Xiong yao, c'est yao, tout ce qui. Houbei, xiong yao. Xiong yao, c'est. Comme ça. Un lombaire de l'ours, c'est arrondi. Le dos de tigre est arrondi. Houbei, Xiong Yao, c'est un yuan. Houbei, yuan. Xiong Yao, c'est yuan. C'est très important. Si yao n'est pas yuan, ni ce yuan n'est pas yuan. Ni comment ça, il n'est pas yuan. Ni ne trouve pas le. Ni de santé est dao-ti, ma. Santé est dao-ti. Ni sen, ni sen, ni au, trouve pas dao de n'est ti. Ni zuo shen me du xiang. Zuo shen me du bu dui. Après, il y a encore Wei Lu Zheng Zhong, le coccyx au milieu du corps. Shen Bei Wu Gong, il a cinq axes. Le corps, il a cinq axes. Les deux bras, deux jambes et la colonne. C'est comme un arc. C'est un arc. Voilà, quand vous êtes dans les postures, vous avez trouvé là. Le 1, ça veut dire que dans ces postures-là, vous devez trouver même état partout dans le corps. Alors, le bout des doigts, le sommet de la tête, les chevilles, le dos, partout, c'est le même état. Il n'y a pas un endroit plus fort qu'ailleurs ou plus faible qu'ailleurs. Ça, c'est le 1. 肌肉右一，我觉得这个可以这么理解，就是说你站桩的时候，你会感觉到你的周身都是周身一体，然后你的任何一个地方，你的手指尖、肘，还有那个腿、腰，都是一个状态，同一个状态，就是同一种状态。这状态你要是松，全都松；你要紧，全都紧。 你能够随心所欲，但这种应该是就是一种，不能有一个地方特别僵，或者一个它有另外一个地方特别松、特别软，那就不对。就像我们那个太极球嘛，就像一个球嘛，一个球，你又有个地方特别啊，那不是瘪了嘛，那就没气了，那气体就没有了。那谢谢巴龙给你把这些带回来。 Donc, quand on fait un point trop fort ou un point trop faible. Voilà.
Après qu'on fait le mouvement, si on parle unifié, si c'est unifié, si on prend notre corps comme, comme une voiture, 如果我们看我们的身体像 一辆车吧，那汽车就像我们的身体，两个轮，前轮后轮，两个前轮是手，两个后轮是脚。Donc, on prend ça comme les mains, les deux roues derrière, c'est comme les pieds, les quatre pattes. Et notre dantian, dantian, c'est le fanondi, le moteur, c'est le dantian. Mais comment bouger, comment faire bouger les roues? C'est à travers l'arbre de transmission.就通过这个传动杆，再通过这个机械部分传到那个轮上，那个轮才能动吧？发动机动了，轮才能动。好了，那么这些，那么tous les mouvements, c'est commencé par le dantian à travers la colonne. La colonne c'est l'arbre de transmission. Le dantian c'est le moteur. Et après les mains, les pieds bougent.Non, si on bouge les mains, les pieds en premier, c'est comme les roues qui bougent en premier. Donc ça, c'est un accident. Ah, seulement dans les accidents, on voit ça. 如果你是手脚先动，就像这个汽车这个轮子先跑，发动机没动了，那什么情况下才有这种情况？车祸的时候，你看到轮子自己跑了，对吧？啊 ，Donc, c'est notre Unifié, c'est il faut que tout le mouvement soit commencé par la colonne. Lombaire, dorsale, cervicale. Et quand on parle de lombaire arrondi, il y a des gens qui disent « Ah si, on est sorti, on est plus, les lombaires n'est plus combré. » Mais c'est pas normal. Mais en fait, c'est pas normal, mais c'est naturel.Dans le ventre de maman, on est, le corps il est comme ça, il est arrondi. Vous voyez ici, les lombaires sont arrondis. Si vous trouvez un bébé, il est encombré au niveau lombaire, il y a un problème. Là, donc, 天人合一合 c'est tien, le ciel, 人, l'homme.和 unification, mais 和 ça veut dire unification, ça veut dire aussi c'est harmonie. 和也可以是 harmonie. 和不单是有和的意思，和在一起的意思，还有和谐的意思。Ça veut dire nous on doit harmoniser avec le ciel, la terre. Mais pour harmoniser avec le ciel et la terre, on doit tout d'abord, nous-mêmes, doit être harmonisés. N'est-ce pas? C'est-à-dire, notre esprit et notre corps, il faut qu'ils soient harmonisés. Et donc, quand on est en bonne santé, le yin et yang harmonisé, l'esprit et le corps harmonisés, et donc, on est en bonne santé,À combien en bonne santé, et après vous pouvez parler avec les autres. Vous pouvez être harmonisé avec les autres, avec les amis, les collègues, même les gens qu'on ne connaît pas, les membres de famille, etc. Mais si vous êtes tout le temps, vous n'êtes pas harmonisé, donc vous êtes toujours très méchant, en mauvais humeur, et donc qui veut parler avec vous?Vous êtes tout de suite en colère. Quand on parle de quelque chose tout de suite en colère, qui a envie de parler avec vous? Donc, vous ne pouvez pas être harmonisé avec les autres. Alors, quand vous pouvez harmoniser vous-même ou harmoniser avec les autres, après, on peut parler harmonisé avec les choses, les objets. Par exemple, Si vous utilisez, vous avez des outils à utiliser, après l'utilisation, vous la rangez correctement,
Mais quand vous avez envie de réutiliser, ils sont là. Je vois. Mais si vous le jetez n'importe comment, au moment que vous voulez réutiliser, il se cache. Vous ne le trouvez plus. Je vois. Et un jour, vous n'avez pas besoin, mais il sort de la tête et dit « Coucou, je suis là. » Si vous êtes harmonisé avec les plantes, avec les objets, tout ça, vous pouvez parler à ce moment-là. Imaginez si vous êtes en mauvaise humeur, mais vous n'êtes pas content de tomber en colère. Même les plantes, vous n'avez pas envie de s'occuper. Hein? Avec les plantes, ils vont se mourir. Ouais. Voilà. Après, vous pouvez parler, harmoniser avec le ciel, la terre. Si on n'est pas harmonisé nous-mêmes, comment on peut harmoniser avec le ciel, la terre? Donc, harmoniser avec le ciel, la terre, on a parlé seulement différentes façons, par exemple, nourriture, comment s'adapter à un changement d'environnement, tout ça. Ça, c'est d'une part. Mais quand on pratique, on est activement, c'est pas passivement, de unifier avec le ciel, la terre. Là, donc, tant la pratique, quand on pratique bien, on peut atteindre ce niveau-là. On peut. Donc, tout le monde peut arriver à cet état de communiquer avec le ciel et la terre. Donc, bien sûr, c'est facile à parler, à dire, mais c'est difficile à faire. Par contre, c'est faisable. C'est réalisable. C'est possible de le faire. Si on veut, on peut. Quand on pratique bien, on est communiqué avec le ciel, le nom, ça peut sentir. Nous-mêmes, on peut sentir. Et on peut sentir que si on est connecté avec le ciel et la terre ou non. Le problème celui-là, c'est la personne qui pratique, il peut sentir. C'est pas facile d'expliquer comme ça. Si on dit, si vous sentez, vous êtes communiqué avec le ciel et la terre, vous sentez comment. Mais pour vous, c'est toujours pas très clair. Il faut, après la pratique, qu'on a atteint ce niveau-là, et on peut le sentir. Mais c'est faisable, tout le monde peut le faire. On a beaucoup d'élèves qui pratiquent ici, ils sont déjà sentis. Thierry, c'est un peu plus facile, mais c'est possible. Tu peux le faire, 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 tu peux le faire. 你练对了以后，也看得出来你有没有接得到。你去摸，你触碰，也能知道。所以它是可以验证的。你说你真接通了，摸摸你就知道了。甚至你看一看就知道你有没有接通。Dans la pratique, si vous dites vous êtes communiqué avec, vous êtes connecté avec le ciel et la terre. Bon, on dit d'une part qu'on peut sentir nous-mêmes. D'autre part, ça peut se voir. On peut voir les autres, s'il est connecté ou non. Et quand on touche, on peut sentir aussi, vraiment, il est connecté ou non. Non, on peut tester. Surtout, si on peut tester. Si vous dites, mais je suis connecté, bon, on teste. Et celui-là, ici, on a une vidéo. Alors, on regarde la vidéo. Il est... C'est moi, Richard. Juste bon, on va voir les vidéos. Ah, t'as dit.
Ouais, mais ça, là. Voilà. Bon, au moment qu'il télécharge la vidéo, on va regarder tout. On attend tout à l'heure. On peut tester là, si ça se voit ou non. Donc, la pratique des qigong de taiji, le plus important, c'est aussi essayer d'appliquer ça dans la vie quotidienne. Comme ça, vous, par exemple, sortez lombaire, vous pouvez, en marchant, vous êtes toujours relâché lombaire. Alors, quand on fait la cuisine, vous n'êtes pas encombré. Il faut tout le temps penser à ça. Et il y a même des gens qui ont, on a des personnes un peu âgées qui pratiquent ça. Et avant, quand ils ont tiré les chariots, quand on fait les courses, on est dans l'escalier, c'est difficile. Mais après, la pratique, il fait 1, 2, 3. 1, relâcher lombaire. 2, étendre la colonne. 3, étirer la colonne. Et chaque fois, il fait comme ça dans la vie quotidienne. Mais celui-là, tout à l'heure, si vous avez envie de partager votre expérience, vous pouvez, tout à l'heure, vous pouvez. Si quelqu'un il a envie de parler, je vous donne la parole tout à l'heure. Hein? C'est mieux de intégrer ça dans la vie quotidienne. Et voilà, on va regarder un peu notre comment palpable de partager. Ça, c'est Jean. Ah. Là, on regarde quand on est connecté avec le ciel et la terre, notre énergie, c'est plus fort. Ah, sinon, là, légèrement étiré, il a déjà bougé. Sinon, si on frappe avec la force, il ne bouge pas. Alors, quand on est avec le ciel et la terre, vous pouvez le faire. Vous êtes facilement. Hein? Là, non, oui, avec la force, Étienne ne bouge même pas. Là, quand vous êtes relâché, légèrement, ça passe. Légèrement, ça passe. Sans force, c'est qu'on est connecté avec le ciel et la terre, on peut avoir l'aide de l'île. On peut utiliser, profiter de l'énergie du ciel et de la terre. Tu vois, on看到用力的话是没有力的。如果你跟天地接通以后啊，你看那个用力的，你打不动了，用力打不动。 那你轻轻一碰啊，你跟天地接通以后，你就会有天地的加持，有天地能量的加持。有天地能量加持，你就能够轻轻一碰，它就出去了。你没有天地能量加持，你用力打是没用的啊。所以讲太极是四两拨千斤，其实四两都不用，你是用天地的力量，你哪用力啊？四两力都不用，就用气。 Voilà, maintenant c'est, avez-vous des questions? C'est l'heure de poser des questions. Voilà, vous pouvez parler ou vous voulez partager un peu votre expérience. Qui veut parler? Ou qui a des questions? Bonjour maître, moi j'ai une question. Ouais. À propos du 1, 2, 3, dont vous nous avez parlé, le 1 qui est le Wu, le 2 qui est vraiment Yin-Yang. Après, il y a le 2, c'est le Yin-Yang,
Et le 3, c'est l'utilisation du yin-yang. Est-ce que ce 1, 2, 3, ça correspond au 1, 2, 3 de la colonne? Bien sûr. Merci. 1, c'est l'état de Wuji. 2, c'est le moment descend, la montée descend. Le yin-yang séparé, avancer, reculer, gauche, droite, tout ça. Et après, quand on fait le 3, vous voyez, quand on fait un cercle oblique, un montée et descend, ça c'est, un, le 3. Le yin dans le yang, le yang dans le yin. Mais quand on fait lombaire 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est 1, c'est lombaire qui bouge. 2, c'est dorsal qui bouge. 3, c'est cervical qui bouge. Mais, quel que soit le mouvement, on garde toujours, on maintient toujours le 1. Ça, quand on a besoin de dire, on dit 1 à 3, 1 à 3, on fait le don de son, 1 是腰椎动, 2 是胸椎动, 3 是颈椎动。啊。要由脊柱来带动所有的身体，但是跟这个，不管我们怎么动，我们都是在找这个，都是保持这个一的状态，保持这个无极的状态。就是你练太极，实际上是在无极的状态下去练太极。那练气功也一样，你练气功也不能够乱动了。也是一个整体的动，整体的动的话，你还是在无的情况下去练有。所以那个道家人讲的那个，有生于无，无生于有，有无相生，有无相生。到了道义美的le无 ，le engendre le 有 ，ayant engendre le 无。C'est l'un engendre l'autre, l'un change l'autre. Donc, ça c'est mutuel. D'autres questions? Excusez-moi, je dois partir. Merci beaucoup. Oui, mais c'est l'heure. Hein? S'il va être... Voilà. Dites que Wuji, c'est l'arbre. Hein? Dites ce que représente Wuji, si c'est l'arbre. Wuji, c'est quand on fait l'arbre, on cherche Wuji. Voilà. Quand on fait le mouvement, on garde le Wuji. Et on garde l'arbre. On garde l'arbre. Toujours. Toujours. Là, on est... Ici, on va regarder un morceau de... Tai Chi, qu'on pratique, comment on essaie de maintenir l'état de Wu Qi, hein? En état, l'état de Wu Qi. On n'est pas obligé, si vous avez des questions, non, si vous n'avez pas de questions, si vous voulez partir, vous voulez partir, hein? C'est l'heure. Mais si vous le regardez, on regarde, on partage cette vidéo. On regarde un peu, hein? Quelques minutes, parce que c'est trop long. Ah, il a gardé sa vidéo. Viens voir. Tu m'entends? Viens voir. C'est où, Maître Jian? Bonsoir, Maître Jian. C'est où, ça, s'il vous plaît? Musée Kimé. Le musée? Musée Kimé. En Chine? Kimé, bon, quoi. Non, en France. À Paris,集美博物馆，那请我们去给他们宣传这个太极气功，就在里面，在里面给他们表演的。好，在集美博物馆，是亚洲艺术博物馆。啊，没有集美，在巴黎在十六区那里，在塞纳河边。那我也在木工啊，我在这的下面制作布料啊，制作红泥。Jean-Claude, tu m'as entendu?
Jean-Claude ? Oui, viens voir. Voilà, ça en bas, le vidéo, on peut le mettre dans notre site. Voilà, maintenant, vers la question, où il n'y a pas des gens qui voteraient pas. La pratique au musée Guillemin. Voilà, on n'a pas de question. Dans les livres qu'on a fait, là, on a parlé de Maître Zhang, ça c'est le livre de Maître Ma qui vient de sortir l'année dernière. Ce sont les livres de Tai Chi. Et ça, c'est mon livre de Tao d'harmonie, vous connaissez déjà. Et il y a nouveau, les Mumins sacrés, nouvelle version qu'ils ont fini. Il est disponible. Ça, c'est les trois vidéos récentes. Les cinq animaux, école de haut de Tai Chi. Voilà, donc... Je vous remercie pour les. Merci aussi Madame Wong. Elle a une école, académie de médecine chinoise à Toulouse. Kimetao, vous connaissez déjà. Donc, par contre, vous pouvez noter des adresses de mail pour avoir les vidéos. Et ce vidéo qu'on a fait là, on a peut-être mettre sur notre site, comme ça vous pouvez revoir. Si vous avez envie de revoir, ou des amis qui ne viennent pas ce soir et vous voulez regarder ça, on essaie de mettre sur notre site. OK? Docteur Jeanne, vous ne pouvez pas de profil montrer juste 1, 2, 3 de profil? Je vous montrer 1, 2, 3 de profil. Oui, merci de votre attention. Hein. Maintenant, on va faire une manière de unifier avec le ciel de la terre qu'on pratique. Vous voulez voir 1, 2, 3 profils notre oui, fois? S'il vous plaît, c'est pour les personnes qui sont présentes. Ah, OK. Bon, les gens qui se présentent pour maintenant? Oui, qui sont venus profil. Écouter. Oui, de profil, s'il vous plaît. Nathalie. Changez votre écran. Ouais, super. C'est pas pour moi, c'est pour les gens qui sont venus vous écouter. OK. De face. Ça, c'est en plus. Hein. C'est on fait monter. Il y a 1, 2, 3. Un descend, 1, 2, 3. Un monté, 1, 2, 3. Un profil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand on fait un mouvement, c'est toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein? Oui, quand on fait oblique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bon? Merci. Merci. C'est des cercles obliques, tout ça, Maître Jeanne. Merci beaucoup, Maître Jeanne. Je vous en prie. Merci. Non, merci. Bon, il y a mes bonnes choses, on me dit chaque fois là. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Pour merci. Merci, maître. C'est pas parti, c'est très bien. Merci. Merci, Roche. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.